vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisqu'on va parler accessoires et on va parler lunettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un partenariat avec le site de chez Octoly. J'ai demandé à recevoir cette paire de lunettes que je vais enlever parce que vous avez le vieux reflet et c'est très désagréable à regarder. Mais je vous ai fait des close-up, hein, bien évidemment. Cet article m'a fortement intéressée parce que finalement, c'est un article qui correspond aux gens qui passent leur vie devant des écrans et en ce moment c'est un petit peu toute ma vie. En plus de ça, j'ai les yeux extrêmement sensibles à la lumière. Entre l'ordinateur, la tablette, le smartphone, etc. On a tendance à passer beaucoup plus de temps devant les écrans et effectivement les yeux en prennent un coup. On s'en rend pas forcément compte au premier abord, c'est évident. Si vous êtes comme moi, migraineuse et que vous avez des soucis au niveau des yeux, bah je pense que c'est vraiment un article qui devrait vous convenir. Donc elles sont bicolores, donc noir et bleu, elles ont cette forme-ci et c'est vrai que ce qui m'a fait peur au départ quand je les ai commandées, c'est la forme. Je me suis dit à tous les coups elles ne vont pas m'aller. Finalement, franchement, je trouve qu'elles vont assez bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve qu'elles ont un petit peu ce côté un peu geek, fashion geek, et j'aime beaucoup le style qu'elles peuvent donner. Il n'y aura pas de correction au niveau du verre. Ce ne sont que des lunettes qui vous permettent de protéger vos yeux lorsque vous êtes devant votre écran d'ordinateur. Voilà leur fonction. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez un petit peu, je pense. Vous avez un filtre bleu au niveau de la lunette. C'est ça qui va protéger vos yeux concernant les écrans d'ordinateur. Donc c'est la marque Eddie & Watson qui propose cet article. Donc vous la recevez dans une petite boîte comme ça, donc compacte et rigide. C'est du carton compacté. Hein. Merde, ce qui a volé c'était l'explication, la petite notice d'explication. À l'intérieur de cette boîte, vous avez ce petit carton d'emballage avec cette présentation pour le morceau de tissu qui va nettoyer votre paire de lunettes, et c'est très sympa je trouve comme présentation. Et les lunettes arrivent dans cette petite pochette, donc gris chiné, très sobre, très simple, et vous avez une petite fermeture comme ceci. Moi j'aime beaucoup cette petite pochette parce que je la trouve très pratique, pas du tout encombrante pour mettre dans un sac à main par exemple, très confortable, non c'est pas le mot, mais très moelleuse, et du coup c'est vrai que ça va venir protéger vos lunettes. D'ailleurs mes lunettes de vue, j'aurais aimé avoir ce genre de trousse parce que ça ne prend absolument pas de place. Les boîtes à lunettes, très souvent elles sont hyper grosses, hyper rigides et elles prennent une place folle dans un sac à main. Systématiquement j'ai tendance à justement laisser la boîte à la maison et de transporter mes lunettes de vue. Autant vous dire que mes carreaux sont très vite abîmés, donc c'est vraiment pas pratique. Ici on n'aura pas du tout ce problème. Je crois que ces lunettes coûtent aux alentours des 46 €. Si je ne dis pas de bêtises, donc je trouve ça assez raisonnable lorsqu'on s'intéresse à la protection de nos yeux. Le petit plus également, c'est qu'il propose des collections de montures de lunettes. Ici moi j'ai ce modèle là, mais je suis tombée sur le prochain modèle qui devrait arriver incessamment sous peu. Franchement il est magnifique, c'est une monture, faut que je vous les montre. Évidemment, je vous mets le lien du site dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir les différentes montures qu'ils peuvent proposer. La prochaine monture, elle est rose et bicolore avec des écailles, et oh my goodness, je l'ai surkiffe, et elle coûte que 45 €. Les prochaines quoi. Voilà tout le monde, je pense avoir fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre plein de petits pouces en l'air si c'est le cas. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, et en attendant prenez soin de vous. Ciao.